Alors Didier Reynders, un de vos anciens collègues, actuel ministre des Affaires étrangères, a déclaré il y a 2-3 jours à une télévision française que la Belgique ou les services de sécurité cherchaient ou recherchaient entre 5 et 10 personnes armées, lourdement armées, prêtes à commettre des attentats terroristes ici à Bruxelles. Et puis 2 jours après, on réévalue le niveau d'alerte terroriste, on le diminue de 4 à 3. Trouvez-vous ça logique, madame Antonis ? Non, je ne trouve pas ça logique et je pense que le ministre des Affaires étrangères a commis une grosse faute de communication. Alors revenons à l'essentiel. La menace, pour le moment, en Belgique, elle existe. Elle est sérieuse. Elle existe sur l'ensemble du pays, comme elle peut exister dans d'autres pays, comme en France, en Allemagne, comme dans d'autres pays. La région bruxelloise a été mise sous niveau 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les autorités de sécurité estimaient qu'un attentat pouvait être réalisé à très court terme. Et donc, il y avait un danger imminent. Bien. Alors, un jour, deux jours, bon, mais 6 jours après, on était toujours en niveau 4. Alors, pour qu'on nous comprenne bien, et pour les habitants de Bruxelles, ils le savent mieux que quiconque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des hommes et des femmes qui ont peur, qui s'angoissent. Ça veut dire une situation sociale et économique qui se dégrade. Ça veut dire une situation au niveau de la culture, avec tous nos événements, nos musées fermés, ou au niveau des écoles, avec nos écoles fermées, ou au niveau de la mobilité, métro fermée, qui était insoutenable. Donc il fallait voir clair, est-ce qu'il y avait imminence ou pas de la menace. Hier, l'OCAM, qui est l'Office d'analyse de la menace, a dit non, c'est terminé, on en revient à une menace sérieuse, mais plus imminente. Et donc, alors, tweet de ces 10 personnes lourdement armées qu'on n'a toujours pas retrouvées. Mais oui, voilà. Alors, Bruxelles va pouvoir vivre normalement, et j'en suis personnellement extrêmement heureuse. Mais il y a eu un climat de psychose. Il y a eu un climat de psychose, notamment parce qu'on n'a pas géré la communication. Parce qu'on a permis à tout le monde de dire n'importe quoi. Sans que cette communication, elle soit maîtrisée par notre centre de crise. C'est comme cela qu'on a eu une ministre de la Santé, alors que jamais le centre de crise n'avait parlé de ça, qui a dit « Ouh là là, les services de secours sont en danger ». On a eu un ministre des Affaires étrangères, alors que le centre de crise ne parle pas de ça, qui dit « Ouh, il y a 10 djihadistes armés dans nos rues ». On a eu d'autres qui ont dit « Attention, dans nos écoles, c'est dangereux », alors que le centre de crise a toujours dit que les écoles n'étaient pas une cible. Donc, il y a eu des grands problèmes d'information et de communication qui ont produit une psychose. Alors déjà, la peur, elle était là, la peur normale, parce qu'il y a une menace sérieuse, mais là, on a viré, à cause de ces erreurs de communication, dans la psychose. Alors, est-ce que Charles Michel, le premier...